gagné la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui rejetait des propositions de contrat que actuel M. Damseyp était voué bayo. C'est dans la logique pour Ottawa approuver contrat ça. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif rejeté contrat ça. L'un dit rejeté, il n'a pas même dit que contrat n'a pas rempli conditions, il retourne le bas, non, c'est pas ça, non. C'est que puisque nous connaissons CEP à son CEP, décrit et contesté, qui n'a pas rempli conditions que la loi baille, qui n'a pas prêté serment, donc Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif considérait que M. Damsayo, qui pétit en ville derrière l'église Saint-Pierre, il considérait qu'il n'a pas existé tout simplement. Il considérait qu'il n'a pas existé tout simplement, donc il rejetait tout contrat que CEP était voué. C'est ça, mais apparemment, exécutif là, bien dit apparemment, exécutif là décidé, joindre l'autre, alors, joindre l'argent pour financer activité CEP. Et le n'attendait que ce soit Jovenel Moïse comme président de la République, le n'attendait Premier ministre Joseph Joute, le n'attendait un pile l'autre autorité. Donc, nous, alors, pour le moins, apparemment, ils ont montré qu'ils voulaient avancer. Maintenant, non, ils voulaient avancer dans la dynamique élection. Et c'est ça, et réalité. Ah, bon. Alors, dans pile des bac à fête, sous décision, Cour des comptes là, ils comprennent toute analyse qui a pu faite, mais Cour des comptes estimait que CEP, hein, c'est un coup de patte existé, puisque il n'est pas monté selon la loi. Et dans cette logique, les propositions de contrat acheminées à la CSCCA ont été tout bonnement renvoyées par la CSCCA à l'institution électorale. Moment, vérité. Bon, alors, on va regarder qui ça s'apprend le bail. Dans quelques instants, et Marcel, Marcel Joseph, mais on nous dit rapidement que des journalistes, surtout jeunes qui font partie de médias en ligne, ils ont marché dans la rue Port-au-Prince, ils ont fait un long parcours, depuis une centre-ville, monter dans l'OPC, etc. Et, ah oui, yoté et... Alors, objectif là, c'est pour dire non à la barbarie policière, ciblant notamment les journalistes. Et, yoté a dénoncé la barbarie policière, puisque policier, de plus en plus, parfois, m'a regardé le comportement de la police, m'a demandé est-ce que c'est policier. Il y a des comportements où il y a des gens qui en uniforme gagnent, on va demander tout, est-ce que c'est policier? Est-ce que c'est des militants politiques qui ont habillé ou bien est-ce que c'est policier? Est-ce que c'est policier? Donc son situation vraiment, vraiment inacceptable. Il y a un policier, bon, pas qu'à dire policier, mais envie de dire un bandit, mais quand même avec uniforme la police, qui prend gaz lacrymogène, qui asperger dans les yeux d'un journaliste. Il y a un monde qui est seulement. Alors, monsieur Média en ligne, il y a des gens qui ont seulement un mail, un smartphone, que l'a filmé un événement. Est-ce que c'est le journaliste qui a créé l'événement, à savoir la manifestation à laquelle il prend part? Alors, justement, l'a participé dans la logique, assurer couverture manifestation, dans la logique métier d'informer lui. Pour prendre gaz lacrymogène, que vous ciblez directement un journaliste dans le visage pour atteindre seul. Alors, sans compter, balle en caoutchouc, etc., etc. Donc, c'est ça, réalité. Hein? Oui, nous retournons à la question de la justice. Et alors, question mandat de juge. Nous avons un débat qui gagne. Hein? Mais, alors, mes premières considérations, on a fait sur. Question, mandat qui renouvelé, il y a ce mandat qui pas renouvelé. La première chose, c'est que exécutif n'a pas qu'à
renouveler un mandat si CSPJ pas voyé non balé. Ça c'est pour la première chose. Ça veut dire pour le renouveler, faut que CSPJ te voyé liste non balé. Maintenant au niveau du CSPJ, ils ne s'entendent pas au niveau du CSPJ. Gagne un groupe qui a dénoncé, un groupe de conseillers du CSPJ qui a dénoncé vassalisation justice là par l'exécutif, etc. Nous, exécutif là, à un certain moment, exigé que pour y renouveler, gagne un nom fuck yo là, etc. Monde que le présenter comme des juges de l'équipe du pouvoir. Bon, naturellement, pas terminant vraiment impropre, un juge pas qu'un juge du pouvoir, moi-même. Par contre, il y a un juge qui juge du pouvoir, même temps, je parler de ça. Mais, gagner des juges, il y a un juge tant que Jean-René Amourin, ou pas qu'à oser pas renouveler mandat juge Jean-René Amourin pour pas sortir sale. Pas renouveler mandat juge Jean-René Amourin, ou pas sortir sale dans l'opinion, et comme de fait, ou sortir très laid dans l'opinion. Il pas renouveler mandat juge Jean-René Amourin, il pas renouveler mandat juge Charan Etienne, qui était responsable enquête sur le dossier massacre La Saline. Il n'y a pas renouvelé le mandat juge Emmanuel Vertiller. C'est le juge qui a enquêté sur ce qui est passé dans le café Trioa. Nous sommes à côté de l'examen. Dans le moment où il y a un débat sur la question Petro-Caribé, il y a deux sénateurs de la République qui étaient présents dans l'espace café Trioa. C'est Yuri Latortue avec Jacques Sauveur Jean. Negaxam, t'es débarqué, tiré, voué gaz lacrymogène, et malheureusement, gagné un animateur Tropicana, Jacques Dubois, qui a été tué lors de cette attaque de partisans du pouvoir à l'intérieur de Café Trio dans le Nord. Donc, t'es gagné une ordonnance de clôture. Naturellement, songez, t'es gagné ordonnance de clôture. D'ailleurs, délégué département Nord, là, qui c'est yon monde qui impliqué à fond dans l'attaque Café Trio. Hein? Donc, il était inculpé, le juge Emmanuel Vertiller était inculpé délégué départemental là dans le cadre de dossier ça. Alors, c'est ça. Donc, ces trois juges, leur mandat n'ont pas été renouvelé par l'exécutif. Bon, en tout cas, moi, je pensais que s'il n'a pas des questions en profondeur, parce que la Constitution, je ne sais pas qui le. Ah, nous avons un salaire. Je ne sais pas qui le n'a pas un amendement. Est-ce que nous avons un amendement dans quelques mois? J'ai un exécutif là, je faire là. Est-ce que nous avons un amendement constitutionnel dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans? Je ne sais pas qui le n'a pas un amendement de la Constitution ou changement de Constitution. Mais pour le moins, gagner. Parce qu'en réalité, vous pouvez reprocher l'exécutif là de ce que. Mais en fait, la loi, c'est sous couverture la loi, oui. C'est qu'on des autres qui fait la sous couverture la loi, le fait. Parce que c'est la loi qui dit que il faut. C'est l'exécutif qui renouvelle le mandat, c'est pas le CSPJ. Donc, si nous voulons une justice effectivement indépendante, dans amendement, quitte cet amendement, il dit qu'il va le faire dans quelques mois, ou bien amendement qu'il va le faire dans quelques années en Haïti, même dans 10 ans, il y a un jour, faut nous faire amendement, eh ben, quand même, n'a pas gagné pour nous, porter des modifications pour que la justice là, parce que en fait, le juge a fonctionné. Juge Laguette a réfléchi, est-ce que mon mandat sera renouvelé? Quand mon mandat arrivera à terme, est-ce qu'il sera renouvelé? Etc. Donc, nous devons comprendre que le juge ça n'a pas qu'à indépendant véritablement. On a joint Marcel Joseph en direct de l'église Saint-Clair à Pétionville. Qui pral dit nous comment ça est, moi t'ai annoncé il y a quelques instants les funérailles du docteur Yves Cadet, décédé il y a 2 semaines, sont en train d'être chantées à l'instant même à l'église Saint-Clair et sur la route de Frères. Marcel Joseph, bonjour, ou en direct dans Moment Vérité. Allô Marcel? Allô Peggy? Oui, oui, m'pa konnen sou recevoir bien, ça va, en allez. Oui, Peggy. Alors, justement, m'te à l'intérieur. Et m'a fonti sorti pour que nous capables de parler. Tout à fait, tout à effectivement, fait. Effectivement, j'en t'ai annoncé tout à l'heure parce que m'a suivi vous. Et m'a dit
j'en ai annoncé que moi, dans le funérail, docteur Yves Cadet. Mm-hmm. Alors, permettez-moi de saluer tous les amis, fidèles auditeurs et auditrices Signalio. Et puis, je souhaite un bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire, puisque c'était mercredi dernier. Alors, effectivement, Peggy, c'est un rendez-vous que nous pas souhaité à 68 ans, que nous avons assisté, funérail, docteur Yves Cadet. Et je pense qu'un pile monde qui compte dans des signal et un pile l'autre station de radio, nous reconnaître la valeur de ce géant et ma réflexion surtout sur question sécurité en dans société haïtienne, non, sur question insécurité. Donc, ces funérailles, monsieur, que nous avons assisté là, mon cher, c'est extrêmement douloureux pour nous-mêmes. Pour moi-même, pour m'abgade ça, mais m'abgade famille, hein. M'abgade moun kabine là, m'abgade police nationale là qui est très présente, puisque moi, en pile. Oui, monsieur, c'était consultant au niveau de la direction générale. Exactement. De la police depuis de longues années. La police assure une présence. Je suis capable de dire que c'est accueil, monsieur, couvri avec drapeau haïtien. Hein. Donc, Haïti, il est présent là tout. Et les m'approcher féminin, c'est comme si on t'a dit que l'amour, c'était la mort, pardon, c'est un carrefour par lequel tout le monde doit passer. Cependant, il y a des lois qui viennent dans le carrefour. Mon cher, même si tu es possédé tout ça gagné, ou pas parler vraiment. Ça veut dire, Yves Cadet, les m'a regardé, monsieur, couché dans ce cercueil là. Mon cher m'a en train de me dire, tout à l'heure, monsieur, t'attendons que l'ordre du pays a fini. Ben, pas parfaitement, pas totalement d'accord avec eux, parce que tout autant qu'il y a monde qui vivent, il y a possibilité pour que le pays a changé. Mais l'entrée, la vitesse que n'a perdu le monde dans le pays aujourd'hui, à part toutes sortes de façons, m'entraîne de pas bon raison totalement, mais m'entraîne de dire qui est prise de conscience dans le fait. Yves Cadet, mouri à 68 ans, tout le monde qui était qu'on attendait, monsieur, monsieur était une seule revendication. Faire en sorte que l'intellectualité, la pensée, le travail, la recherche n'est au cœur de questions sécurité pays d'Haïti. C'était objectif, monsieur, ça. Parce que son œil qui t'attendait qu'il est à bon doctrine dans la police nationale, là, monsieur a demandé une politique publique de sécurité, c'est ça que t'as demandé. Et m'a pas qu'à empêcher m'attendre, même quand je suis attendu plusieurs fois, et hier encore m'attendu, l'intervention du directeur général AI de la police nationale, M. Léon Charles. Je me trouvais, très honnêtement, avec tout respect que j'ai pour monsieur, un discours pathétique, et puis qui mettait monsieur tout dans une situation pathétique, parce que c'est pas que m'a profité de moment ça pour me faire critique. Non, alors parler de Léon Charles dit que si pas gen tout cas d'insécurité ça yo ou bien tout cas de kidnapping ça yo, la police t'a plus performant. C'est pathétique parce que ce qui fait un grand homme, ce sont les difficultés ou d'abord en soi-même. Ça veut dire que si m'a pas bon bilan depuis les monsieur Rivella, de sécurité a augmenté. Je ne suis pas capable de dire que le pas fait des interventions. Mais n'empêche que il a augmenté. Donc ça veut dire van et sécurité. Mais il faut que je me souligne vraiment. Alors que c'était le cœur du discours, de la pensée de Yves Cadet. Alors, oui, c'est... tout à fait. Alors, justement, d'abord, la seule différence, c'est que décès Yves Cadet n'a pas trop de rapport avec insécurité. Non, mais attendez. Monsieur était fait le chantre de Samda Gababrele, une police qui chita sur la pensée et la réflexion. Alors que l'obga des nègres qui n'ont pas agi en dans la police nationale, là, je dis, comportement qui gagnait à travers l'action qu'ils prennent, on va demander est-ce qu'ils ont pensé. Parce que si ils ont réfléchi, parce que toute action qu'on a posée, même n'importe qui bague, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien au niveau micro totalement, au niveau de la famille, faut qu'il mûrement réfléchir, faut qu'il pense. Mais je veux dire, on ne peut pas dire que le problème de sécurité est insoluble. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer une solution pour lui, c'est pas vrai. On peut jouer une solution pour lui. Mais pour qu'on joue une solution pour lui, faut qu'on mette à l'écoute
des experts comme Iskader. Il faut qu'on mette à l'écoute de la population, il faut qu'on mette à l'écoute des universités, parce que partout à travers le monde, les solutions ne sont pas sorties comme ça au petit bonheur. C'est pour qu'on ait décidé carrément, il dit, sans ça, Jovenel Moïse a une solution, tout problème que la traversée là depuis qu'elle est rentrée dans le pouvoir depuis 4 ans. C'est parce que nous ne pouvons jamais chita pour nous dresser, pour nous mettre, ça aurait les politiques publiques là, ça veut dire mettre des experts chita, pour nous réfléchir sur des solutions qui peuvent répondre à problème non. Mais si par exemple, les problèmes n'ont pas été, nous pouvons être bourrés, nous, à droite, nous, à gauche. C'est sacrilé là, je dis, avec ce phénomène insécuritaire. Hein. Donc, c'est vrai que, docteur Yves Kader, jusqu'à présent, bon, je ne dis que je ne suis pas victime de l'insécurité, je ne sais pas. Parce que ce sont des qui sont malaises, et puis, je mourrai. Donc, je ne pas dire rien. Cependant, moi-même, je ne sais pas, je me dis, dans la société normale, un homme de la trempe de Yves Kader, qui est habitué à faire des déclarations qui fait des demandes, que ouais, qui allait à l'encontre du fonctionnement actuel de la société, ou pas capable de dire qu'on est comme ça à mourir, ou que y a un extraterrestre et puis tout va être fini. Ça veut dire faut que tu aies une prise en charge, faut que tu aies une autopsie, faut que tu aies un paquet de bail qui fait pour que donner au sorti pour que la population au courant. Moi-même, c'est position pas Marcel Joseph. Parce que je trouvais que demain, monsieur, c'était un intellectuel dans le vrai sens du terme. Ça veut dire qu'on est, en dépit de tout ça, au monde particulièrement, on doit reprocher, mais l'intellectuel, c'est pas on est qui peut le mettre du côté des plus forts qui a piétiné nos pays. Là, monsieur dit que faut que police là, l'égo doctrine. Là, monsieur dit que résoudre le problème de sécurité, c'est pas seulement voyer unité à l'un village de Dieu, à le faire attaque comme ça. Là, monsieur dit ça, mettre là. L'enjeu ça, c'est parce que ça sortit de la réflexion et aussi de comment certaines communautés à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis qui gagnent gros bandits là-dedans, comment ils arrivent à maîtriser. Je dis à soi, regardez police là. Bon, moi-même, je n'ai qui n'a base police là, je discute avec des policiers. Pas plus tard que hier soir, je discute avec un policier. Je dis carrément, police là crasée. Mm-hmm. Bon, police là crasée, mais l'enjeu police là crasée, ça veut dire que. Il n'est pas démantelé de la manière que l'on a démantelé l'année. Mais là, il y a un problème de commandement dans la police. Un problème. Là, par exemple, où il y a des manifestations qui sont faites dans les rues de Port-au-Prince, que ce soit des élèves, que ce soit n'importe qui monde qui décide pour manifestation, mais qui réagit de manière féroce. Alors, cette semaine, de manière barbare, au point où on va demander est-ce que ces policiers vrais. Très bien. Parce qu'en réalité, un policier est guidé par des principes éthiques qui connaît, ça veut dire proportionnalité dans l'intervention de la police, qui t'a doué au minimum dans la question de droit monde. Donc, on peut même demander est-ce que c'est policier? Non. Est-ce que ce n'est pas tout simplement des bandits qui ont un uniforme de la police? Franchement, on est obligé de dire ça. Très bien. Et puis, c'est ça que nous dit que le discours du directeur général de la police nationale. Ce dernier discours que M. Fait, moi, je me trouvais le pathétique. Parce qu'on pas capable. Non, est-ce que vous voulez dire que, ou assimiler la sorte d'aveu d'impuissance, non? Non, moi-même, on n'est pas capable de dire qu'on dresse en face aux populations. Parce que la police, là, combien de monde y est? Ou bien 25 ans là, ou une quinzaine de mille de policiers, ça veut dire qu'au point de la population, regardez qui sont représentés. Pratiquement rien. Donc, meilleure force, c'est la population. C'est mettre en contact avec la population, c'est travailler avec la population. Mais sous-dressons face à la population, hein, parce que justement, tu fais l'affaire du pouvoir. Parce que moi-même, personnellement, m'a dit ça. Au minimum de conscience de la part d'autorités importantes comme Léon Charles, je ne suis pas capable de prendre poste à gueule prendre. Vous comprenez pour qui ça? On n'est pas capable de miser uniquement. Désolé, ça déjà, l'aime d'après prendre poste là. On n'est pas capable de miser uniquement sous. Ça me donne les expériences de compétences. Mm-hmm. On mise quand même sous passé, sous jeu d'influence qui a fait sous. Et sous forme de nomination que vous avez. Le fait qu'on haït, ça veut dire qu'on laisse, qu'on code dans le cours. Et puis deuxièmement encore, il faut qu'on ait une capacité, ça fait un ballon au minimum de conscience, pour l'agissement de ce pouvoir avant que vous bon poste là, qui t'a mis dans une situation pour t'a fait sauver les faits. Donc ça veut dire que l'offre un discours. On plaint de l'insécurité. Alors qu'on est meilleur troisième joueur qu'on gagne, ou bien deuxième joueur qu'on gagne, pour endosser la population. Alors que toute initiative qu'on prend depuis ces derniers temps, toute initiative que la police prend, et c'est particulièrement depuis sous Normand Rameau,
pratiquement toute initiative de la police se mettait en face population, craser manifestation de façon, ça veut dire ne va pas même paraître pour le garder, pour le dire, est-ce que la police est menacée devant cette manifestation? Vous pouvez ouais. même analyser de la craser. Mm-hmm. Et puis parallèlement, on vient son discours, et puis l'image de la police était en bas pied cette semaine, quand on voit une manifestation qui a fait côté c'est des mouns notoirement reconnus comme gang, que vous mettez à vie de recherche derrière vous, nous font manifestation. Et puis pour dire que la police a sécurisé la manifestation, ça, pour dire que la manifestation est tranquille, vous faites ça, vous dites ça, vous faites, à un point tel que vous faites des demandes dans la manifestation, drôle de coïncidence, vous faites des demandes, et puis, quelques jours après, demandes sont exaucées par le Dieu. Bon, vous ne t'entendez pas, Walsa, et franchement, je ne sais pas. C'est pour ça que ça me dit son drôle de coïncidence, parce que même si, c'est pour ça que ça me dit, il faut s'asseoir sur la pensée. La réflexion. Son conseil des ministres sont réunis. Où t'étendez l'information, ça que les gens te fait demande là. Où t'es que tu dois juste différer. Sous t'es que pour te retirer ministre de l'Intérieur là. Où t'es que pour te retirer ministre Affaires Sociales là. Ouais, juste différer pour éviter coïncidence là. Mais ça pas du moyen. C'est un mépris total de la population. Alors, Sondia et renvoyez-nous au concept opinion publique. Donc, ça veut dire. Alors, même pas tant de monsieur qui t'es. Qui te gagne ça comme revendication, même temps d'un pile monde parle. Oh, mon cher, comment faire battre là? Vous n'avez pas fait bas là? Non, je m'attendais. Ouais, ou quoi, je m'attendais de toute bagaille. Si je m'attendais. Pas de chance de toute bagaille. Non, alors, oui. Non, mais sur les réseaux sociaux, yo m'tan dans pile monde dit ou te mandel. OK. Non, moi t'endel li. OK, très bien. Dès qu'on t'endel. Dès qu'on t'endel Marcel, c'est tant que c'est moi qui t'endel. Parce que ça dès que vous même ou confirmez que ou te dit c'est que moi obligé quoi ou m'envie dit même à 100%. Donc on va vous sortir tout à l'heure avec fondamental. Les autorités si elle avait en tête de faire des changements au niveau de quelques ministères. Elles auraient dû attendre que timing n'a passé. Parce que je dis à dans l'opinion, il paraît, tant comme tu as dit, c'est parce que M. G9 a demandé tête de ministre et puis limogé, c'est ça qui paraît. Autre chose, on dirait que il y a une offensive de la police depuis 48 heures à Delma 6. Apparemment, bien dit apparemment, parce que peut-être qu'il y a besoin de l'effort pour ta convaincre la population sur ça. Apparemment, dans l'objectif pour ta pas, pour ta va mettre, procéder à l'arrestation barbecue. Oui, attendez, bon, je vais vous moi-même, je ne vais pas demander la population haïtienne de l'État. Vous ne pouvez pas être des payeurs de taxes, dans la société, et puis pour que vous ne soyez pas exigeant. Qui ça fait que. Yon nèg gen doit prendre poste dans n'importe quelle condition dans le pays d'Haïti. C'est ça que cet homme a parlé d'un minimum de conscience. C'est parce que le connaît, la population haïtienne est très peu exigeante. Ça veut dire, ça ne va pas dire rien. Je prends un exemple. Non, vous même parler de l'opération, yon dit qu'il y a plein de masses. Les opérations, attendez, Peggy. Comme j'en bagaille. Nèg yon fait opération, ok? Mais on a touché ça, le nœud gordien de la situation. Ou un phénomène dans le pays, ya, que moi-même, en fond logique, dans tous les pays du monde, où se dit l'homme d'Abdando, la sécurité lie au cœur du fonctionnement sociétal. La stabilité lie au cœur de ça. Pour qui ça? Parce que l'individu a pour que lui épanouit. Parce que l'être humain, Peggy, lie au cœur de toute démarche. Développement. Les États-Unis viennent s'allier là. C'est parce que les humains sont au cœur des États-Unis. Le Canada, tout ça. Donc, ce qui veut dire que, yon institution gouvernementale, depuis le pouvoir, pour avoir que le fait, c'est rassurer individu à le fonctionnement, qui est sud. Parce que c'est chaque fois qu'elle produit. Donc, le pays, c'est pour un phénomène qui est le kidnapping qui est dans la société. Ou une police nationale, qui jusqu'à présent, malgré toute unité que le gain la donne, des unités 4 teams, des unités SWAT, des BLTS, Ligue Palais National, USPN, Ligue toute unité qu'on voit qui a, mais jusqu'au dents qui bien habillé, je ne peux jamais entendre
que vous descendez qui fait nos côtés au kidnappé au monde et puis que nous avons libéré le monde que vous prenez le monde. Je n'ai jamais entendu ça. Seul côté, nous avons des négociations débarquées, il y a le pays comme, c'était M. Paré National, parmi lesquels Dimitri Erard, qui était débarqué pour la chercher Madame Ni, non, parmi gang yo, même les gang sa yo, c'est une honte nationale. Même les gang yo continuent à opérer, alors que Dimitri Erard a débarqué le prend Madame Ni, il paye rançon là la veille. C'est une honte nationale. Non, alors, ou pas même, connaît si tu as rançon tout. Non, non, mais peu importe. Ah, bon, mon cher Peggy, nous allons retourner sur base encore. Non, ou dit le paye rançon, ça qui arrive, maman, dame, te dit Peggy. Okay. Maman, te dit bon. Bon, peu importe que pas de rançon ou pas. Mm-hmm. Mais Peggy, Dimitri Erard, il est qui? Il est le chef de l'unité USPN au Palais National. Donc ça veut dire que c'est un homme qui connaît qu'au gang nan yé, il connaît côté yé. Et jusqu'à présent, il continue à opérer, il continue à prendre moun. Donc il faut dire que la police nationale a énormément d'efforts pour que le fond seul bagay. Pour que il fasse confiance à la population. Hein. Parce que la population n'a pas de confiance dans où. Le par exemple, on va pas assurer la sécurité gang. Le par exemple, où on est qui chef Palais National, qui a le prend Madame Nika ou gang. Mais par exemple, ou pour qu'on chambre une unité qui débarque en côté pour le premier monde, alors que nous avons des directeurs généraux et police nationale là. Ou ça c'est pathétique, même si on dit ça que gang y a des chefs pillés le monde. C'est comme ça? Oui, oui mais alors, Marcel, moi-même, je pense que. Alors, l'étape extrêmement difficile que Léon Charles t'a kabay résultat dans ça nous gagne là. Moi, je pensais que d'un point de vue plus rationnel, plus scientifique, problème sécurité est plus profond que ça. Comment la police qui a baillé sécurité si pas une volonté politique pour gagner sécurité? Comment la police qui a baillé sécurité si au niveau de nos douanes, par exemple, Haïti pas produit ZAM, Haïti pas produit munitions. Toutes c'est des produits importés de l'extérieur. Qui contrôle nos douanes? Ce sont les autorités. C'est le gouvernement qui contrôle les douanes. Ok? Qui alimente les groupes armés? Qui alimente les groupes armés? Je pense que la police là, Jean Dr. Cadet et Kondil, c'est un maillon dans la chaîne. La police là. Et si, au plus haut niveau de l'État, pas une volonté politique pour que nous gagnions sécurité, la police peut dire pas qu'il n'y a rien. Non, c'est pas parce qu'en fait, combien d'opérations policières? C'est pas seulement volonté politique. Combien d'opérations policières qui se sont soldées? Il n'est pas seulement volonté politique. Alors, volonté politique là, ça part, ça part. Non. Alors, je te donne un élément de départ, la volonté politique. Parce que c'est volonté politique là qui pourra le permettre que nous construisions politique publique relative à la question. C'est lui qui pourra le permettre synergie. Hein. C'est lui qui peut le permettre que l'État vraiment dit, véritablement mobilisé. Ou pas jamais une volonté politique ça en parler là. Parce que ou même ensemble avec nous qu'on a discuté sous problème d'éducation qui gagne dans la société. Nous parler de ça, problème de patriotisme. Le sentiment patriotique, les nègres arrivent au pouvoir. Bon, comment expliquer quelque chose? Non mais non, ou pas quand dit nous pas jamais une volonté politique Marcel. Non, mais pour une volonté politique là Peggy, faut que d'abord type de monde qu'on voye au pouvoir là. C'est des mondes qui ont de sentiments parmi lesquels le sentiment patriotique. Eh bien, justement, mais faut pas mettre en tête tout que la population a toujours voyé n'importe monde au petit monde des affaires de l'État. Faut pas mettre en tête tout, peut-être moi, avant au Capaguetan, ouais ça, mais peut-être génération future pourra le faire autrement. Non, mais génération future, là, pour que le faire, c'est moi et ma voix qui peut jeter bazar depuis qu'on y a. Ça dépend de comment on a fait le travail. Non, mais c'est ça qu'on a fait actuellement là, Marcel. C'est bazar non, à jeter. Non, c'est vrai qu'on appelle qu'on y a, mais il n'est pas suffisant. C'est parce que je dis à la presse, faut qu'on le cherche le rôle de la presse dans la situation qu'il a. Je dis à, je prends le bon exemple. Les par exemple que les plus grandes vedettes que vous avez dans la société, ce sont des hommes politiques qui de tout temps n'ont jamais rien produit de concret qui mettait nous dans l'étanier là, Peggy. Donc, on pas capable de dire que. Si nèg là, je dis à lui jouer d'une notoriété grâce à médias, quelque part, médias se fait complice. Alors que, ou bien des universités, quand on gagne Samda Kabarele, les bastions de la pensée, de la réflexion, de la production de Samda Kabarele, des solutions, nous pas bal possibilité pour le réagir. Nous pas bal l'espace. Tout nèg qui a pris l'espace, c'est des politiciens. Et puis, en Haïti, malheureusement, ce qui est encore pire, et nous constatons le même ensemble avec vous, pour que ça relève au perpétuel recommencement. Je dis alors pas foutu des hommes de 30 ans de ça qui étaient occupés poste
je dis à yo qui doit pas ministre mais yo occupe un poste ou bien y a mangé nèg la ministre mais son l'autre monde qui mettel. Donc ça veut dire que ou perpétuel recommencement en dans personnel politique là qui fait que je dis à nèg la devant, je dis à pas devant li vinn derrière mais presque là comme ça quoi que ça y a chercher nèg la pour balle la parole par exemple ou pour nèg qui sénateur. Comment peut-on expliquer matin docteur qui dit ça. Nous pas faire personnalité. Mais il y a des hommes qui au sein du Parlement, qui étaient occupés des postes de sénateurs et de députés, mais qui n'ont rien foutu, qui n'ont réglé rien. Alors que le travail du parlementaire, il résumé à deux grandes fonctions, le contrôle de l'État et puis pour légiférer. Donc ça veut dire que ceux qui ont droit de regard sous éléments essentiels dans la société, à qui s'allier, c'est la loi. Parce que nous sommes dans une société démocratique. Donc, en société démocratique, c'est ça où elle est la dictature. Marcel, ça, de loi. Là, à ce niveau-là, on ne s'entend pas. Non, mais attendez, attendez, un petit moment, Marcel. Oui. Je ne vais pas attendre au monde que nos sociétés démocratiques. Quelles sont les caractéristiques de la démocratie? Non, mais sauf que, Peggy, nous d'accord ensemble avec vous. Non, nous devons discussion ça déjà, nous d'accord avec vous. Sauf que, ou un schéma de démocratie dans le pays d'Haïti. Bon. Le schéma, c'est ça. Ou un schéma des trois pouvoirs qui sont schéma démocratique lié. Ça veut dire qu'on a une possibilité de regarder ce qui passe aux États-Unis. Oui. Un schéma démocratique. Premièrement, il faut qu'il existe. Deuxièmement, il faut qu'il opérationnel. Il faut que chaque pouvoir fait travail par eux dans les limites de la loi. Donc, pas de problème que schéma traditionnel que constitution tracéa, ou t'es qu'à considérer comme un schéma démocratique s'il t'est arrivé à appliquer. Bon, mais pour moi, tout n'est sous Sandra Bralzo. Là, justement, la presse, là, c'est un élément de la société civile qui a un rôle fondamental. Pour qui ça, on est dans le Parlement? Cet homme était au Parlement, ou bien cette femme, lui, il parle de rien. Faut qu'on compte qui ça a été fait. Parce que je connais rien deux bagailles. Premièrement, oui. On est fort li montrer capacité. Oui, Marcel. Alors moi je crois que l'on a parlé de démocratie, nous avons la notion des droits de l'homme. Donc il y a pas que la première génération des droits de l'homme, les droits civils et politiques, droit de pouvoir voter aux élections, le droit que l'on a si l'on veut se porter candidat à un poste électif. Il y a les droits sociaux, économiques et culturels qui font partie de la deuxième génération des droits de l'homme. Droit à la santé, droit au logement, droit à l'éducation. Droit à une alimentation saine et équilibrée. Donc, tout droit ça, c'est des droits fondamentaux de la personne humaine que nous retrouvons dans la deuxième génération des droits de l'homme, les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, il m'a parlé de droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation, etc. Donc, dans la société, côté droit, ça a eu bafoué. Mais ça, on n'a pas besoin d'un quartier populaire seulement pour voir comment on a vivre, non? On n'a pas seulement fait un petit coup de gel dans plein nan là. Pour les conditions côté monde. Là, les routes frères, bon, ou dans la zone route frère là. Pour les conditions côté monde à manger. Conditions côté monde à vendre. Sous pile fatra, etc. Donc, c'est des droits constamment bafoué par ceux qui sont appelés à les faire respecter. Oui, justement, donc, nous ne pouvons pas parler de démocratie du tout. Nous ne pouvons pas parler de que schéma que nous choisissons et squelette que nous choisissons. M'a dit squelette que nous choisissons, oui, il apparente à un squelette démocratique, mais dans notre réalité, il est dépourvu de contenu, de substance. Mais, t'as dépégué. Gonlot Bague, m'a dit, c'est que par rapport à justement ce dit là. Je dis à fois qu'on est bon intellectuel en Haïti, et je connais tout le monde dans le capitaine de là, et qui peut-être pas d'accord avec moi, moi-même, pas un problème ça, parce que moi-même, je n'ai pas de cultiver, c'est la liberté, peu importe conséquence que ça va bien sur moi. Mais on a vu nos sociétés qui ne sont pas pauvres uniquement sur le plan économique, j'en se fait référence par rapport à ça, l'on dit que mon a vivre sous fatra, mais son pays qui est pauvre aussi à un autre niveau, c'est au niveau spirituel, faut qu'on dise. Comment on est dit, qu'on soit intellectuel chevronné? Que en plus, le monde a respect pour vous, produit des documents et autres. Et que vous acceptez de faire partie d'un gouvernement, qui, par exemple, ou bien d'un régime politique, qui depuis 9 ans, ou bien, ou fait partie d'une génération d'hommes politiques,
qui depuis pratiquement 34 ans, qui n'a pas de résultat en termes de l'indicateur fondamental dans la société, qui a un rapport justement avec la perte que nous avons fait dans la société. Ça aurait l'espérance de vie dans la société. L'accepte-t-elle? Ça veut dire qu'il y a un intellectuel qui est dans la société qui accepte pour le mourir à 60 ans, l'accepte pour le mourir à 68 ans. Alors que nous avons regardé des hommes aux États-Unis, on est avec Larry King, des hommes qui ont mouru à 87 ans. Larry King, c'est plus de 87 ans. Oui, nous avons regardé des hommes qui ont mouru à 90 ans aux États-Unis. Nous avons regardé Joe Biden qui arrivait au pouvoir à 76 alors, ans. Non, alors, Marcel, nous avons des gens qui ont mouru jusqu'à 100 ans ici. Non, 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 attends, 78 ans. Non, hein? Non, attendez, on prend une exception. En Haïti, c'est l'exception, on parle de la règle. Moi-même, c'est 120 ans, je vais mourir. Oui, bon, on va jouer au même. On va jouer au même. On pense que c'est jouer au même. Non, stress déjà pour l'avoir, mon cher. Pas jouer, non, mon cher. Non, mon cher, 120 ans. On va quitter la radio là. Pour nous quitter la radio là, avant d'arriver là, ou dépendamment de son gueule, ou trop, il y a pipi sous. Même si on est brave, même si on est son dimension stress lié, son pays qu'on s'en va vivre. Donc, maintenant, pour moi, tout le monde est sur Sabdabdia. Je vais prendre un exemple clair pour vous. Je vais prendre un exemple simple pour vous. Ou imaginons, nous avons une période de coronavirus. D'une façon que je ne pas comprendre, et que scientifique en Haïti, pour que j'aime bonne raison, Haïti m'a dit que le retrouver entre deux mers, même des mers dans le sens MER, qui touchaient sévèrement par le coronavirus, au poids de la population, les États-Unis actuellement là, a frôlé les 500 000 personnes qui mourent. Canada a fait fermer sous Caraïbes là, là jusqu'en avril. Exactement. Jusqu'en avril. Ils ont décidé de fermer là jusqu'en avril. Il y a des millions, parce que l'MD Bali a 26 millions de monde qui sont contaminés. Ou bien la République Dominicaine qui a des monde qui a mouru. Pendant ce temps, attendez bien, oui, la République Dominicaine, depuis le 22 décembre, qui ça a fait, ils ont interdit toute activité liée au carnaval. Alors que le carnaval en République Dominicaine, compte tenu du fait que depuis quelques années, nous, même en Haïti, c'est en République Dominicaine que nous pouvons acheter des choses, donc les villes ont un carnaval qui est plus rentable, malgré ça, ils ont décidé de camper. Ou même en Haïti. Et c'est là que je vais avoir dans la logique. Et je ne vais pas attaquer ni gouvernement là, non. Je parle aux intellectuels de ce pays. Je parle à la société civile. Comment on est pédé que jodi à Haïti retrouve nos frontières, quand elle est capable de prouver au monde entier que nous sommes peuple choisi? Comment nous profiter de coronavirus? Puisque nous ne sommes pas en mesure d'expliquer pour quelle raison jodi à Haïti camper malgré la situation que la Bible là. Par rapport à la promiscuité, par rapport à la pauvreté, par rapport à un système médical qui est pratiquement inexistant, par rapport à un meilleur centre hospitalier universitaire qui est l'hôpital général, qui à une époque donnée était un fleuron, je dis à l'étalier, par rapport au fait qu'on a des hommes au pouvoir qui n'ont aucune sensibilité humaine. Parce que si on était guéri, je dis à un bon problème de dialyse, on va pas de problème dans le pays, ça veut dire que nous pas qu'à expliquer scientifiquement qui ça qui fait que qu'on a vu pas frapper Haïti. Deuxièmement, nous avons un élément fondamental dans la société qui est la médecine traditionnelle, fréquentée par plus de 80% de gens dans la société. Donc, il faut qu'on ait, je dis à la, il y a une meilleure explication que c'est parce que Haïtiens, depuis le petit, ils ont associé cette évolution là avec médecine traditionnelle là, n'emprunter ceci, n'emprunter cela. C'est ça qui permet que le système immunitaire qui a campé. Mais parallèlement à ça, Peggy, pour retourner sur Sambraljou là, système immunitaire, justement, parlons-en. La meilleure façon de protéger son système immunitaire, c'est d'avoir le contrôle sur son manger. Ah, il ne faut pas qu'il y ait le contrôle sur son manger. Puisque, il y a deux pays qui mettent à genoux pour qu'il y ait manger. C'est la République Dominicaine avec les États-Unis. Donc, ça veut dire, même si on pousse, c'est l'autre bol sorti. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un système immunitaire qui est renforcé, puisque la production nationale loi, il y a zéro, et toute initiative qui a poussé pour écraser. Donc, ça veut dire que, on ne peut même qu'à expliquer, à part la médecine traditionnelle, qui ça qui fait que, ou camper à bas coronavirus là. D'où la nécessité pour qu'on ait des hommes au pouvoir qui désarrient les visions et puis qui disent bon, on va montrer le monde entier que Haïti c'est un peuple choisi. Premièrement, par des mesures précautionneuses. Deuxièmement, ça veut dire mesures précautionneuses pour montrer qu'on est un peuple qui contrôle la situation. Hein. Deuxièmement, passant d'Akabrele, une stratégie de communication à outrance pour montrer le monde entier au l'autre visage d'Haïti que nous-mêmes nous paguons coronavirus et nous ca recevoir moun. Troisièmement, par la construction d'une série de bagailles, villégiatures et autres, pour attirer les gens dans le pays. Construire des terrains de golf, construire des activités, pour aller chercher les gens, pour montrer que Haïti, nous pas n'importe qui, mais qui sont faits.
ou préférez à sécuriser gang, ou préférez à faire que kidnapping nan a augmenté, pour ne dire que pour ne dire que une institution tant qu'on dit celle dans pays a qui est mon cash, et puis pour gang dit pour voir comme pour yo pas mon cash, et puis pas qui est suivi que la police a fait, et vous dites directeur général national police a son travail. Nous allons expliquer ça. Pas mon cash, le gang m'a demandé pour voir comme pour lui. Ça veut dire, nèg là, il faut choix quand on cas suivre lui, ou qu'à repérer, et puis police a pourquoi j'aime qu'à aller déloger un gang pour libérer mon jusqu'à présent. Mais Marcel, qui sont gagnés comme élément d'information par rapport à l'opération Delma 6 qui gagne pratiquement 72 heures? Non, pas mal d'opération ça, mon cher. Je sais, pour moi-même, c'est des opérations que nous avons fait, mais c'est des opérations cosmétiques que nous avons fait. Parce que l'objectif que nous avons fait, ce n'est pas lui-même que la population a fait. La population a besoin que nous avons mis fin à gang. Non, peut-être qu'il va me retourner sur ça, là. Par rapport à tout ça, qui sont faits, ou à l'port de paix, nous vivons avec énormément de difficultés, problèmes d'infrastructure. Comme ça, et puis vous demain, pour tout le monde qui va parler de lui. Parce que c'est pas possible. Pour on est un discours comme ça, 4 ans après pouvoir, son discours purement électoral, capable nous sortir qui ça va le faire, et puis capable de toya sous opposition, ou pas capable. Dans l'opposition, pour que ça l'état par un cas chercher et puis le montrer au grand public. Pour qui ça se plaint, pour le président plaint, l'a dit que l'opposition est responsable de sécurité. C'est vous-même qui avez le monopole de la violence légitime dans mes on population prend ça dans mon. Alors, vous trouvez que la population, ça a un problème, c'est un problème lié. Non, nous avons amené nous, je dis, comme population, à un niveau de déni total de propre vie par nous. N'accepter tout ça, mon banou. Ça veut dire moi-même, je dis, à ma sœur, qui la voilà, le fait que mon Haïti n'accepte pour mourir à n'importe quel âge. M'accepter qu'un indice de développement humain, il n'y a pas atteint moins. Ça veut dire que, comme pas d'éducation, comme pas conseil de barrière, le fait qu'on accepte de vivre en Haïti. Et puis, je me suis fait complice. Le fait que m'accepter, rentrer dans la logique, que malgré que ma paye la taxe, même qu'il doit prendre taxe moyen, pour la marcher faire propagande tout partout. Ouais, ouais. Sans qu'elle ne produise qu'un résultat. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais, elle s'en là. Donc, pour moi, tourner sur l'opération qu'on dit qu'elle fait là, pendant qu'elle va faire l'opération là, mais on va attendre des gens débarquer dans l'église. Il y a des gens carrément. Ou des gens dans le bar comme ça qui vont faire dans le pays. Mm-hmm. Donc, si la police voulait montrer que la son travail, la guédère qui rentre dans l'église, yo, son unité spéciale, résultat d'enquête, on est comment nous, ou bien des CPJ qui l'a pour ça tout, ou bien tout service qui l'a, pour commencer. Altre monde, des malheureux qui a demandé 1 million pour qu'on ne passe pas semaine ça. Ou si bébé. Qui n'est pas impensable. Dans tout pays du monde, où on a des actes de kidnapping. Mais si toutefois, pour la police, il y a une succession de actes de kidnapping, côté n'est pas kidnappé même si bébé, et puis il y a toute unité dans la police là, pour ne pas jamais entendre côté n'est pas libéré au monde. Il y a libéré au monde, ça veut dire débarquer dans zone là, il y a tout n'est pas. Vous avez dit, non, c'est ça. Alors, réalité, c'est ou bien libération contre rançon, ou bien libération contre rançon, ou bien assassinat. C'est ça. Ou bien viol suivi d'assassinat. Mon cher Gondaba, c'est moi, Mabdou, ça très honnêtement. Le kidnapping en Haïti est devenu une industrie, ou pas contre qui est-ce qu'il la donne, qui est-ce qu'il va la donner. Donc la police voulait prouver, c'est pas suivre l'opinion publique, à le chercher, parce que l'opinion publique parlait de barbecue. Ok, il a parlé de ces deux nègres. Ok, il va le faire descendre des lieux. Tout ça, c'est de spectacle que vous avez. Mm-hmm. Quand la police a pas agi, il va besoin faire spectacle. Quand il y a là, mm-hmm. Léon Charles Sonègue, qui besoin faire des spectacles pour que tout le monde well. Moi-même, ça me besoin que monsieur t'a fait, selon moi-même, selon plusieurs observateurs, c'est prouver que la police est capable de travailler en dehors de tout bruit dans la presse.
ça veut dire que yo kidnappe au monde, on travaille une opération qui met sur le terrain et puis on arrive à libérer moun nan. Tout autant que la police pour ka fait ça, elle pas capable de renforcer confiance population. Et je dis si le travail que la police fait, besoin fait, la veut pas tes moun saute à l'enfer, faire bruit, dire débarquer ceci, à part au débat conseil de côté bon. Bon moi même m'attend dans entrevue que le réaliser dans gang ça vient. Mais yo gen tout zami nan men yo. Yo tué Odma, mais yo dit là on fin tué Odma bon. Jusqu'à présent yo fin tué Odma, mais et ça cap monter yo. Bon moi même m'attend dans nèg qui dit que lui même pas grand rien, il prête pour mourir. Et monsieur dit que gang ça vient vinn plus mauvais qu'on y a. Alors contre résultat travail police là. C'est al pour nèg qui te vedette, c'est ça que résultat travail police là. Action qui devenait après on mettait Anel dans prison depuis au fin mettait Anel dans prison jusqu'à présent des hommes politiques associés à Anel c'est procès à prendre en parlement ça veut dire qu'au problème au niveau que travail a pas fait madame Dula ça veut dire que nèg là malgré dans prison monsieur Sermont dit l'a sorti quand même et je dis le plus fort puisque gang ni continue à opérer donc ça veut dire des activités spectaculaires de la police c'est pas ça me besoin moi même ça me besoin là on est dit comme ça que c'est pour ça me dit volonté politique là, son bar que nèg yo fait pour cacher derrière une réalité. Parce que qu'on est volonté politique là, les nèg là, par exemple, on est yo nos mots, nos postes. Ou accepter vivre nos postes, ou t'es nos postes politiques en bon pouvoir. Alors que le directeur général de la police nationale, forme de politique que le t'a dû faire, son forme de politique qui permet que le capable de arrêter, mais mon premier ministre, n'importe qui, il a arrêté n'importe qui. C'est forme de politique la boule d'affaires. Alors que, ou qu'il y a une série d'activités que nèg doit mener, qu'on a l'impression que nèg qui au sein du pouvoir là, il est confortable. Alors, je dis à vous, nèg dit que la police nationale n'a pas capable de détacher de réalité politique là, pour le bailler d'enquête sur mon fait de vol là. Expliquez-moi. Ça veut dire qu'on sait de gros crimes spectaculaires qui fait dans le pays là, si mon police nationale vraiment qui travaille, pour que le dîme n'est pas capable de résultat enquête là, là depuis date dans ça. Hein? C'est parce que, ouais. Cette question de volonté politique là, si on va que les gens cachés derrière elle, pour ne pas faire travail. Ça veut dire, l'un des volonté politique là, c'est que, combien de gens qui sont dans la politique là? Ou un paquet de monde dans la politique là? Alors qu'on a un chef de police nationale, ou un chef CSPN, ou un président, ou un ministre de l'Intérieur. Bon, regardons des autres qui ont fait dans le pays là, en matière de sécurité. Lorsqu'on est dans la rue, et la police nationale dans la rue, et. Ou gagner ministère de l'Intérieur dans la rue, sécurité publique dans la rue, et délégué départemental dans la rue, et commissaire gouvernement dans la rue, ou gagner tout le monde dans la rue. L'entendez y a parlé dans la radio, vous m'entendez secrétaire d'État sécurité publique là, actuellement là, qui a parlé dans la radio. Je dis, monsieur, pays ça vraiment, c'est ou bien on prend tout le monde pour une sorte, moment. Ou bien intellectuel, vous mettez toute tête ensemble. N'est-ce pas l'ordre de sécurité? Il va même capable de coordination. Pour que tout le monde soit dans la rue, il n'y a pas une instance de coordination. Ça veut dire qu'il n'y a pas une instance de coordination pour coordonner tout le monde. Ça veut dire que chaque nègre côté, il a géré un bagage. Mon délégué, je connais qui est dans l'équipe déléguée. Est-ce que Léon Chalka dit qui est dans l'équipe déléguée? Alors, les délégués à un côté lui-même, délégué départemental de l'Ouest, là, pour activité. Qui ça pour jouer pour activité gangnier? Qui ça pour jouer ça? Est-ce que la police gagne? Marcel, et approche ou faire, et bonne raison, en un certain sens, c'est l'âme d'a parlé de volonté politique là. Oui, hier, le DGAI a eu une rencontre de travail avec le délégué départemental de l'Ouest. Ok? Donc maintenant, si je prends interrogation, fait que fait là, est-ce que le connaît si délégué a pas d'activité gang, groupe, lina, gang, etc. Et bien justement, c'est ça comme tu as parlé de notion de volonté politique là. Donc ça sort d'en haut. Ok? Donc si il y a une volonté politique au plus haut niveau de l'État, donc structure intermédiaire, structure inférieure, il y aura juste adapté, mettez-vous en coordination à tête là. Donc c'est volonté politique qui sont premier élément et naturellement population a un rôle pour jouer tout dans lutte contre l'insécurité. Mais si pas un signal qui baille parce que en fait, si un kidnapping qu'a fait là, il y a deux raisons au moins qu'a fait un citoyen été inactif. Il y en a une raison, c'est que les gens doivent contribuer pour bloquer
Et puis, il a gardé le son bagage, autorité, c'est un coup d'adou. Il doit contribuer pour la dénoncer au bandit. Et puis, il voit que c'est un coup d'adou, c'est bandit, c'est l'État même. Donc, en fait, il vient dans l'insécurité. Donc, oui, si citoyen mais... collaborer, il faut que citoyen ait cette attitude que l'État a combattu l'insécurité. Aussi, aussi longtemps que citoyen n'a pas cette attitude que l'État effectivement combat l'insécurité, ou pas comment des citoyens ça pour collaborer. Deuxième raison, c'est que les capables non logique de instinct de conservation de soi, survie personnelle pour le pas victime lui-même. Oui, mais les gens échappent à toi, tout. Non, je ne parle pas de citoyens, mais je ne parle pas de. On prend l'exemple de sécurité publique. Sécurité publique. L'heure de sécurité publique, là, c'est pas aller chercher gang dans la rue. Parce que qui capacité au gain pour aller chercher gang dans la rue? Mais alors, on parle de sécurité publique pendant ce temps, tout est bon, pas de couverture. Machine a tombé, tout bon. Ça n'est pas sécurité publique liée. Là, je m'explique. Hein? Ça veut dire que, ou gagne toute rue qui est obstruée par toutes sortes de carcasses de voitures, ça n'est pas sécurité publique liée. Ou gagne pilon électrique qui presque tombe. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème de sécurité publique. Mais il va quitter le livre ce travail. Pendant ce temps, la courir dans la rue, faire védétariat, chercher les médias qui ont la parole pour parler en pile. Ah bah, bon, ça, c'est notre dilemme. Ça sont les dilemmes. Avant que la sortie, nèg la assuré que les gayons de journalistes ont vu caméra qui a suivi, etc. Donc nèg ça va régler rien. Ou un problème de leadership. Quand CSPN, ça veut dire si on a dit que c'est chef CSPN, pendant ce temps, ou un problème de sécurité publique, chaque nèg qui est pour faire travail parle dans la sphère d'activité par l'IPAFEL, livre mettez le dans le domaine qui baille popularité, qui baille visibilité, à savoir kidnapping. Mais pendant ce temps, tout n'est pas rentré la donne, mais jusqu'à présent, le kidnapping n'a pas diminué, c'est augmenté, l'augmenté. Donc ça veut dire que, et, il y a une préoccupation économique. Les directeurs, par exemple, les secrétaires d'État à sécurité publique dans la rue, les délégués dans la rue, mais c'est comme l'État qui a dépensé, mes amis. C'est gaz. Ça veut dire que c'est comme qui a dépensé pour rien. Alors qu'en termes de résultats, qui ça m'attend, c'est que le kidnapping n'a diminué. Même mon délégué qui sortit, qui a cherché le kidnapper, il n'y a pas joué. Pendant ce temps, dans la zone côté liée, en tant que délégué, il y a un travail social pour le taffer, qui t'a favorisé, qui t'a beaucoup plus profitable pour réduire l'insécurité dans la zone. Est-ce que le délégué a dit que dans la zone côté, dans la zone de couverture, pas lieu, est-ce que par exemple, combien de jeunes qui sont dans la rue comme des œuvrés, est-ce que le cas dit mieux, combien de jeunes qui ont l'école professionnelle, mais ça fait partie de la sécurité à tout. S'il t'est occupé de ça, peut-être que madame Gesflanté de sécurité, ça que là. Alors, l'aime mon problème de coordination comme ça, mon problème de leadership, et puis, ou est-ce pas dit rien, ou accepter tout ça, mon barou, et puis, ou abdi une volonté politique. M'pas prendre le mot par rapport au fait que me connaît. Premièrement, problème là, c'est parce que son problème de leadership. Non, parce que nèg la occupé, premièrement, au plus haut niveau, leadership là, ou bon carence de leadership. Alors, il n'a pas les deux. Président Jovenel Moïse, c'est clair qu'on a un problème de leadership. Ou descendre à un niveau plus bas, au niveau de CSPN là, ou rendons compte que M. Jout, son équivine là seulement, pratiquement son équivine là, pour faire mon nouvel, n'enfoncer de gaz. Et puis société a très moins sévère envers lui-même parce que son équipe a l'empile, mais en termes de résultats, qui sont jeunes, ou jeunes que Monta là, son souris n'a pas couché. Parce que jusqu'à présent, là, nous prenons un indicateur. Depuis le Premier ministre arrivé là, on prend un certain nombre d'indicateurs. Qui amélioration gagne là-dedans? C'est des indicateurs clés, parmi lesquels les sécurités. Qui amélioration gagne? Parmi lesquels les sécurités alimentaires. Tôt, niveau de sécurité a augmenté. Qui amélioration gagne? Ça veut dire que, nèg la montre au pouvoir, l'homme prend ensemble d'indicateurs fondamentaux pour permettre que la société a évolué, ils n'ont pas amélioré et puis nèg la continue à parler en pile. Donc, ou pas qu'à une société pour accepter ça. Quand on a souffert, ou sorti dans le CSPN, ou à le niveau police nationale, ou retirer Nobel Ramon, ou mettez Léon Charles. Ok, ou bien un certain nombre d'interventions qu'a fait, mais au niveau de violation de l'homme, c'est même pas à l'enjoindre. Ça veut dire que Léon Charles monte là, en termes de résultats qui sont joints, police a vint plus sévère. Et puis, avec population, elle a manifesté. Pendant ce temps, à l'intérieur de la police, scission a continué. Ça veut dire que la police a continué à diviser, la police a continué à des problèmes. Mais vous pensez que, et puis, mon autre problème encore. Mais la pensée pour résoudre le problème police, ça, c'est un bail cob, c'est un bail manger. Alors que, plus gros problème police, ça, c'est un problème de valorisation professionnelle que lié. Mais nèg la t'es dans l'université, mes amis. Mais pas dans l'université. Les vins rentrent dans la police pour le jeune épanouissement. Et vous prenez la gueule dans la rue là, ou la gueule dans la rue là, la fait pousser à manger, la fait motocyclette passer sous pied. Alors, et vous voulez, ou cherchez solidarité dans le ménage là, ou vous voulez mettre nos caloches poules. Bon, auditeur Canada, Marcel. Ou mettez nos caloches poules, tellement c'est bon, ou mettez nos caloches poules, 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 ou mettez nos caloches poules,
tout bon si commissariat que y aurait les conteneurs yo. Ou connait qui tout ou connait qui était une université. Mais là vienne policier, ou pour nous la gueule non pas qui va me toilette qui va me gagner. Mais là c'est non bol la fête de jeunes et pour dire que on parle de valorisation ou parlons nous contre un problème de valorisation professionnelle. Bon problème de valorisation d'individus tout court dans la police là et vous dites vous parlez du problème police là dans alors, alors c'est ça que me parler de volonté politique donc résoudre problème insécurité hein il passe nécessairement et par volonté politique au plus haut niveau de l'État donc la police capable yon maillon qui capote en contribution, mais la police à elle seule ne peut rien faire. D'accord, alors, grand auditeur oui. Canada qui dit que, alors c'est Richard Edma, monsieur dit que pour gain sécurité en Haïti, faut que la police t'ava arrêter presque toute autorité, yo, parce que DCPJ gagne en pile information de en pile autorité qui est impliquée dans l'insécurité. Bon. C'est ça, ça son auditeur. Mais ça va bien me faire avec un police, avec un directeur général de la police, AI, mon cher. Bon. Pour moi, le bon exemple. Pour que ça n'est pas juste même base pilote. Ou on a débarqué là, n'est qu'on connaît très bien base pilote. Qui n'a zone et portail là, n'est qu'on connaît très bien composition base pilote là qui s'allie. Mm-hmm. Son composition que tout le monde connaît, qui formait de gangs et de policiers. Donc, mm-hmm. Alors, pour l'exemple, ou rive directeur général de police nationale là, ou l'inspection générale là, non, mais on, pour depuis date temps ça que mon a parlé de base, hein, et pour pas qu'à résoudre, alors que Basse Pilate, chaque jour, c'est renforcé là pour renforcer le plus. Mm-hmm. Je dis à, sous question gang, là, tout le monde connaît très bien que compte tenu de conditions de vie en pile policier, je connais que gang pile là, pour assurer sur vie, il oublie associer à 11 de monde. Bon, bah, bon, l'autre problème encore dans la police là, que n'est pas qu'à résoudre. Mm-hmm. Moi-même, je sais, bon, pas plus de non, Gounet comme quoi j'avais l'hôtel hier. Mais ça, c'est un civil lié. Sauf que son bourgeois qui s'en comme. Je regarde les quantités de policiers, moi, des données ça. Mon société. Ah oui, ça, son autre élément. Ça, son autre problème. Je regarde les quantités de policiers, qui s'en est gagné. Un bourgeois qui est comme dans le pays. Alors, bourgeois qui est comme, il n'y a pas qu'à payer en compagnie de sécurité pour assurer la sécurité. C'est la police nationale qui est obligée. Justement. Et ça fait que gagner. Est-ce qu'on a une commune qui presque pas un policier du tout? Oui. Alors, allez former combien de policiers qui gagnent la Gonave? La Gonave qui gagne là dans deux communes, prête à raquette et en Sagalet, qui gagne population que le gagne, allez regarder combien de policiers qui gagnent la Gonave. Ça veut dire, mais justement, donc, faut qu'on gagne un directeur général de la police, qui gagne une certaine indépendance. Ça veut dire, s'il a subi influence, pouvoir politique là, donc l'IPAP a fait travailler Jean-Paul Gaffel. Mais oui, il demeure. Alors, mais, en réalité, pour ne pas oublier tout, c'est que CSPN, son autorité politique, c'est le numéro 2 de l'exécutif, en fait, qui est le chef du CSPN. OK? Mon cher, avec Michel Angédéon, moi, je suis capable de dire ça, on est qui met le reproche Michel Angédéon, s'il vous plaît. Où t'es senti une volonté de détacher police là, de influence politique là. Mm-hmm. Bon, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui associent monsieur à une autre tendance politique. Ça, c'est choix par mon Dieu. Mais, question CSPN, moi-même, je pense que c'est le plus gros danger qui plane sur Haïti, c'est le fait qu'au bon directeur général police, AI. Parce que l'un est de la AI, et Jovenel Moïse compte très bien, président Jovenel Moïse très bien, compte, avec toute équipe compte très bien qui s'est fait, l'on choisit un premièrement, dans le cas de Léon Charles, moi-même toujours dans Nexa, d'ailleurs son nomination que moi-même personnellement, il y a problème avec elle. Aussi compétent que Nexa t'a compétent, le fait que Nexa t'a un rouage dans la machine pouvoir là, là, il y a une difficulté pour le bon résultat. Alors, il y a un problème en général, tout, oui, Marcel. Hein? Problème en général, tout. Ça veut dire, si on prend conseil BRH, c'est même réalité, hein? Si on prend gouvernement. Parce que, d'un point de vue constitutionnel, on n'a pas un gouvernement en Haïti. Parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement. La politique générale et en application par le gouvernement aurait dû être sanctionnée par le Parlement. Ça veut dire même dépenses qui a fait, yo. C'est Parlement qui a dû autoriser, yo. Donc, nous avons une situation de dépendage général. Donc, la police, c'est un élément là-dedans. Mais, en fait, ou pas gagné gouvernement. Mm-hmm. Alors, m'a dit, si l'on se réfère au principe constitutionnel et
qui régit question. Donc c'est oui. À tous les niveaux, même aller dans BRH ou même aller dans BNC, c'est la même réalité. Là. Donc question AI. Donc, non. Alors que en droit administratif, il n'y a pas qu'à nommer un monde AI. OK? Il n'y a pas qu'à nommer un monde AI. Donc, poste directeur général AIA n'a pas de sens. Il peut être nommé directeur général, il remplit les conditions pour être directeur général. Donc, AIA, c'est en absence du directeur général, quelqu'un d'autre du haut état-major peut occuper le poste provisoirement pour quelques jours, pour quelques semaines. Donc, AI, ad intérim, qui signifie ad intérim, pour oui, un petit bout de temps. Ça, oui. Justement, ça veut dire pas qu'à nommer un monde AI, ou pas qu'à nommer un monde AI. Justement, donc, on est en situation de confusion, m'en veux dire général. Donc, oui, quel que soit côté ou prend au niveau de l'État, donc c'est pratiquement en dehors de des normes régissant la matière. Et c'est vous d'être appelé pour nous sortir dans le sujet insécurité, parce que c'est nous-mêmes qui prenons. Oui, parce que nous pouvons finir tout. Et puis, parce que faut que moi dise que, ou qu'on est aujourd'hui, hein, alors, nous avons deux grandes figures de l'opposition politique qui t'a donné là. Alors, en toute dernière minute, l'opposition politique, à quelques exceptions, j'ai l'impression sauf Fabila Valas, qui a demandé un gouvernement de salut public, bon, Fabila Valas en solo, et bon, en pile fois Fabila Valas en solo, eh bien, l'opposition politique est sur le point de signer un accord sur les termes de la transition politique. Et ça a fait, je dis, hein, l'opposition dans ses différentes composantes, ça a fait jeudi, hein, et il y a qu'à finir par un point de presse. Alors, sur les conditions de la transition, transition qu'il n'y a pas l'air, faut que moi dise transition qu'il n'y a pas l'air, parce que pas qu'une certitude que le 7 février 2021, Jovenel Moïse va partir, et que nous pas gagner en transition, pas qu'une certitude jusqu'à présent. Oui. Mais moi-même, ça me devait dire par rapport à l'opposition. Je peux mettre comme un petit coup de pied aux États-Unis, parce que y a un paquet de bagues qui passent aux États-Unis qui méritait que nous fassions une analyse 2-3 minutes sur lui. Ou bien Donald Trump qui est arrivé au pouvoir, justement, hier, m'a appelé un article de Guardian sorti qui montre que le lien que M. Teguin de. Ça veut dire que c'est un homme qui a été formaté pour être au service de l'extérieur. Donc, grand pays tant que les États-Unis. Et selon l'article-là, monsieur, il a été formaté par le KGB pour qu'il soit capable au service des Russes. Donc, ça veut dire que plus de bagues qui commencent à sortir. Mais, qui s'est arrivé? Les États-Unis, je vais vous tirer le son de ce qui passe. Je vais prendre l'exemple de Capitole. Je vais prendre l'exemple de trajectoire de Donald Trump. Qui était bas, il y a un gouvernement, il y a un pouvoir totalement isolé. Ça veut dire que toute forme d'interventionnisme qui caractérisait les démocrates, ils ont rendu compte que Donald Trump devait couper court avec ça. Et l'article de Degazen montre effectivement. L'interventionnisme américain, lui qui ça le fait, lui pas en faveur au paquet de pays. Mais il y a des pays tout, lui en faveur. Yon. Donc ça veut dire que, ça me le dit par rapport à ça, l'élection de Donald Trump amène au pouvoir un homme. Regarde comment le pays lui agit. Ou t'es qu'on est qui au pouvoir qui a un paquet d'erreurs politiques, qui a bâillé menti, qui mène un pays à très loin, ça veut dire sur le plan international qui fait que nous avons une perception totalement différente des Américains, ça veut dire de l'après-Obama, ça veut dire que les Américains étaient venus gonfler le bol, ils étaient fatigués avec Donald Trump, ils ont identifié une chose. Ils ont identifié que c'était un novice en politique, donc ça veut dire toute erreur que ça fait, un novice en politique qui doublait de sa relève un populisme, et totalement un populisme dangereux, qui a surfé sur les mécontentements des gens, ils ont dit, ils ont divisé avec ça. Comment ils ont fait? Yo vient avec un homme qui est totalement opposé à monsieur. Premièrement, on prend le point de vue d'expérience politique. 8 ans comme vice-président. Deuxièmement, 36 ans au Parlement comme sénateur. Troisièmement, c'est un homme d'un point de vue de tempérament. C'est ça où est le Joe Biden, c'est un homme de consensus. Totalement à l'opposé de Donald Trump. Donc ce qui veut dire, quand une société la pense et la réfléchit, c'est tout à fait normal qu'elle sorte avec des solutions qui sont différentes de ça qu'a fait là. Donc je dis à là, si on est dans l'opposition, on fait partie de monde qui a pensé pour réfléchir, pour retirer le pays à la situation liée là. Même pas regarder monsieur avec proposition que a fait, parce que ni ne cap parler de
ni nèg k'ap parler de gouvernement de salut public, ni moun k'ap parler de cour de cassation, moi même une seule chose que m'ap tande. Qui structure qui va le mettre en place pour nous capables chambarder l'air que nous gain là. Yon l'air complètement vicié, pourri, côté que son descente aux enfers qui gagne à tous les points de vue, et ça prend de l'expérience, ça prend un sentiment patriotique, ça prend des hommes qui pas de mettre au trempé dans toute malpropreté ça gagne là, que ce soit à travers l'opposition ou à travers d'autres choses. Donc ça prend une équipe qui, non seulement son équipe qui est nouveau, ça veut dire une nouvelle équipe, mais c'est une équipe qui a de l'expérience quelque part. Donc moi-même, ça m'a regardé qui prend le vin là. Qui prend le propos, j'aime l'après de Jovenel Moïse. Si c'est vrai que je suis parti 7 février, mon cher Negyo Gessaouele, la quadrature du cercle dans Melo. Parce que moi-même, je connais qui type de monde que prend le bail population ça là dans l'Italie là. Qui type de. Même pas si le bail existe, non? Pas si le bail existe, non? Mais est-ce que, opposition ça comme là, est-ce qu'elle a une capacité, il a un niveau de recul assez pour la choisir au monde, pour que lui-même ne pas dans un patal gâteau? Parce que, il y a deux mouns qu'on peut choisir là. Il y a deux nègres dans l'opposition. C'est mettre au chute carrément. On ne peut pas tourner avec. On ne peut pas mettre au n'importe côté parce qu'on te mêle nos paquets d'air déjà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait opposition qui a ça aurait le sentiment patriotique à un niveau très haut. Qui a souffrance population, qui dit moi-même, moi retirer parce que je fais partie des squelettes dans le placard de la société haïtienne. Donc pour que nègre la dit ça, au niveau de distance, au niveau de recul, pour nèg la gagner pour que le dit ça. Donc ou déjà comprendre que situation pas facile pour nous du tout. Ouais, ça me les là. Il pas facile pour nous du tout. Donc c'est ça que fait moi-même, je prends l'exemple des États-Unis pour montrer que le résultat de la société haïtienne n'est pas qu'à de l'euphorisme. Ça veut dire nèg la gagne euphorie, on vole, on volonté pour voir Jovenel aller. Non, il faut qu'il soit dans la pensée. Il faut qu'il soit dans l'empathie de la société haïtienne, de misère mondiale. Il faut que l'il dans la réflexion, mais il faut aussi que l'il dans la production. Gon équipe nèg moi là, m'gal pour exemple à vous, le ministère de l'environnement. Vous avez gagné monsieur Jout qui était dans le ministère de l'environnement, après monsieur vient dans le ministère de santé et ministère finance, on est monsieur vient premier ministre. Mais regardons l'état de l'environnement dans le pays d'Haïti. Bon, on prend monsieur Jout, mais m'a pas paquet l'autre nèg. Donc si on exime aujourd'hui, on vient faire partie d'un gouvernement, de transition, et puis on va hériter du ministère de l'Environnement, il faut d'abord que vous ne soyez pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il faut que son aide qui venu pour changer visage ça m'est là. L'on exime au ministère de travaux publics. On est qui vient dans le gouvernement de transition. On vient ministre de travaux publics. Et pour prendre état de transport côté haïtien à voyager, j'étais pour bête. Ou prend par exemple zone canapé vert qui relie deux grands hôtels en dans société à le Caribé et hôtel Marriott, et puis pour nèg prend transport pour nèg prend canapé vert yo transformer là on pas bête comme ça. Alors l'on vin ministre travaux publics, on va regarder ça comme ça, même si c'est un mois qu'on t'a fait comme ministre travaux publics pour pas qu'à marquer passage. Donc nous avons un problème dans cette société où nos politiciens non plus ce qu'on appelle des esprits de grandeur. Côté nègla, livré marqué passage, lui par des actes de grandeur. Les actes de grandeur, ce sont des actes qui retirent l'homme de sa pauvreté. C'est qui élevait l'homme à la dignité. Ou vous savez, le nègre qui passe au pouvoir là, Haïti pas élevé en dignité. Haïti baissé. Donc, l'on n'exime pas l'homme de, ou pas parler de transition pour transition. Non, on parle de transition parce qu'on produit. Bon, maintenant. Bon, m'bral mette nèg yo au houlot. Ok. Que ce que je dise fasse l'affaire de Jovenel Moïse, je m'en contrefous. Mais ce qui est important, c'est ça. Je dis à Soupral faire mon proposition. Ce n'est pas une proposition d'homme pour faire. C'est une proposition de programme pour faire. Ça veut dire que, on est qui dit m'bral vine dans la proposition. C'est pas vine dit que nous allons mettre un gouvernement de salut public. Non, c'est pas ça me besoin. Salut public de quel public? Salut qui ça? Vous n'êtes dit la valade dit que ou bien avec un gouvernement de salut public. C'est pas ça me besoin. C'est pour dire que nous, ça fait un an de cela que nous on travaille et voilà ce que vous avez produit comme document de référence qui c'est un plan de développement pour société à pour retirer dans les deux années ou bien une année, dans trois années. C'est ça pour Vinavel.
Si nèg yo vinn avec des nèg a vinn avec un feuille papier et puis il mettait quelques noms sous lui, nèg la vinn avec un feuille papier, il mettait quelques noms sous lui, il mettait quelques ministères tant comme d'attendre sénateur Moïse Jean-Charles a parlé comme si pour séduire la population, c'est de dire que nous pas vinn à 13 ministères. Mais qui sont ces 13 ministères? Qui ça yo pral faire? Qui travaille yo? Je dis à une police nationale qui crasé. Qu'on est à la souvenir avec le ministère de la justice. Faut qu'on bombe au plan. Non, son pral vinn avec là. On plan de restructuration de la police nationale pour que l'on retrouve le visage ni. Là, on est dit comme ça que, on pral vinn avec un gouvernement de transition. On est 10 nèg dans le parlement là qui sont pral faire yo. On va pas faire ou shooter derrière yo. Comment on pral actionner le parlement? Faut qu'on bombe tout plan ça yo. Faut qu'on dise comment on pral faire. Donc moi-même, ce que je dis là, je connais que peut-être que Genèg n'a pouvoir à la Capri, peut-être que Genèg n'a opposition à la qui compte moins. Mais mes amis, si nous avons un minimum de conscience de l'État société à Jodia, il faut que vous vous mettiez au travail. Vous okay. mettez au travail là-bas. Ce n'est pas seulement mm-hmm. Chita réuni par l'empile. Mettez au travail là, c'est produire des documents de référence qui viennent avec des solutions par rapport à Sanabibla. Vous attendez, sénateur Yuri, pour me finir. C'était très intéressant. Sénateur Yuri dit que depuis que bon gouvernement transition, kidnapping n'a pas fini. D'accord, sénateur. Mais bon document. C'est pour bon mouil, là qu'on y a aujourd'hui, avant même 7 février, bon mon document, bien articulé, avec des hommes de cette société, des universités qui s'y emballent, qui montrent que par A plus B, que effectivement insécurité a fini, laisse à peuple avoir faire confiance. Mais si ce n'est pas l'empile que on a vu faire là aujourd'hui, là, vin chita pas l'empile là. Cette population qu'on est, que je veux dire, on ne peut pas continuer à prendre ça dans n'importe où. Non, mais qui que ce soit. Population haïtienne n'a pas qu'à faire personne une confiance en quoi je dis. Parce que c'est une population qui a été humiliée, qui a été piétinée par des hommes politiques, par les médias, par aussi par la police. Donc je veux dire, on n'a pas qu'à faire une confiance juste parce que vous n'avez pas l'avoir. Il faut qu'on ait courage pour qu'on prenne des documents dans mes mounes. C'est comme ça que nous changeons pays. C'est avec des documents que nous changeons pays. C'est avec des panels. C'est avec des TikTok. C'est avec ça que nous changeons pays. Eh bien, Marcel, merci. Merci un peu, Marcel. Peggy, grande épidémie de Gal. Ah oui, dans l'Ouest, là, la fin. Grande épidémie de Gal. Il faut avoir pays. J'ai fait une entrevue avec Dr. Martial Deneche. C'est le DSO, donc c'est le directeur sanitaire de l'Ouest. Moi, j'étais un peu déçu. L'air que, en plus, on a parlé de l'épidémie. Hein. Docteur a été confirmé que c'est une épidémie. Je me demandais, est-ce que le ministère a un contrôle situation? Il était dit que non, il n'y a pas de contrôle là, mais il a cherché un contrôle là. Donc, depuis le 28, il a commencé, m'a regardé sous page Twitter, il a installé des cliniques mobiles, il a installé, ça veut dire, il a commencé à chercher pour un contrôle de situation. Mais les mal cherchés, d'ailleurs, je me disais que vendredi, que tu es venu, c'est sorti dans le département de NIT, qui est venu dans la radio, qui fait nous connaître que NIT, il touche tout. Mais même discuter avec plusieurs mouns, ils font nous connaître que l'épidémie de Gal dans le pays depuis quelques temps, c'est pas une épidémie, mais c'est quelque chose qui est endémique. Donc, ça veut dire que, là encore, nous avons un problème d'humanisme dans cette société, puisque Gal là, il est lié à son maladie d'hygiène que lié. Donc, nous avons des problèmes d'eau dans le pays alors que nous sommes des insulaires. Donc, nous, son pays, son île nouillée, nous pas t'as supposé qu'il y a un problème d'eau. Haïti t'as supposé détenteur de la technologie de pouvoir désaliniser de l'eau. Nous pas gagné. Donc, là encore, il faut se questionner sur les gens qui occupent des postes dans le pays nous. Il y a une épidémie de Gal, c'est quelque chose que nous avons la capacité de maîtriser, ça me connaît. Docteur Benesh te dit nous ça. Nous avons des médicaments sous place. Nous avons des gens qui nous ont maîtrisé. Donc, nous invitons Mounio à ne pas paniquer. Monsieur, après tout ça, vous voulez ça, vous capable de maîtriser. Mais là encore, il faut que nous ayons des hommes et des femmes au pouvoir qui sont capables d'anticiper, qui sont proactifs, pour que ça ne va pas venir entrer dans la population pour manger. Moun, c'est les arrivés pour courir derrière eux. Donc, cette affaire d'État-pompier, il faut que nous sortions la donne. Pour cela, il faut prioriser la pensée, il faut prioriser l'université. C'est comme ça qu'on a sorti la situation. Nous là. Encore une fois, Peggy, merci. Je remercie tous les amis, fidèles auditeurs. Signal FM qui t'a coûté. Moi, toujours dans l'enterrement là, c'est de Yohamier. Moi, je rentre dans l'église là pour que m'assiste à l'enterrement. Groupe autorique garçon ça, docteur Yves Cadet, qui quitte un héritage énorme pour nous en termes de pensée, de réflexion, à savoir, pour sortir de la situation que nous y ayons, il faut que nous ayons des politiques publiques. Les politiques publiques là qui s'allient, c'est réunir les hommes et les femmes compétentes dans le pays
qui a vivent à l'extérieur ou à l'intérieur pour nous penser, réfléchir, produire des documents de référence et pour nous remettre à des hommes politiques, à des administrateurs pour le travail. C'est ça que je t'ai quitté pour nous comme héritage. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et en même temps, je remercie tous les invités nous qui rentrent en studio. C'est un sacrifice énorme pour quitter la caillou, pour venir dans le studio, pour venir parler à la population parce que la situation kidnapping n'a pas fait rage. Je remercie Mario Vio, le PDG de la radio, un infatigable qui veut absolument que cette radio continue de faire son travail de service public. Moi, j'ai un procès spécial pour Mme Liliane Pierre-Paul, une femme de combat qui perd du mari, M. Anthony Barbier, qui est une référence intellectuelle dans le pays, en dehors de l'appartenance politique, ce qui est important. J'en ai dit là, c'est un sociologue qui a marqué le pays, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il faut regarder vers l'avenir maintenant. Une nouvelle pensée spéciale et dans nos femmes avec nos radios, nous présenter sympathie nous tant à la famille de Dr Yves Cadet que à Mme Liliane Pierre-Paul et toute la famille de M. Barbier. Là-dessus, Peggy, encore une fois, bon anniversaire. Merci à Aria Saint-Fleur. Merci à toute l'équipe technicienne à l'FM. À samedi prochain, je suis en studio. Si vous avez un monde qui mourit, c'est important pour nous encore, puisque nous avons mouru, qu'on m'a mis dans le pays.